On dit facilement que les jeunes sont détachés, qu'ils sont cyniques, qu'ils ne sont pas dans la politique. Je ne crois pas, je ne crois pas. Ce que j'ai constaté dans mon propre travail d'homme politique, c'est que j'attire beaucoup de jeunes. Je ne fais pas un effort spécial. Il y a une certaine condescence en disant « Ah, venez les jeunes ». J'aime pas d'ailleurs le mot « jeunesse », les jeunes, tout ça. J'aime pas ça. Ils sont des citoyens. Ils sont des jeunes citoyens parfois, mais ils sont des citoyens. Ils ont des préoccupations civiques, ça veut dire l'environnement, leur avenir économique. Je crois que ce que j'entends partout dans le pays, c'est que les jeunes du Canada sont très conscients qu'ils vivent dans un monde globalisant, où la concurrence, la compétition est mondiale. Ils veulent avoir un pays à l'échelle mondiale. Ils veulent vivre ou travailler dans les compagnies, dans les universités, dans un gouvernement, à l'échelle mondiale, de première classe. Et moi, c'est ce que moi je veux aussi pour le Canada. Un Canada où on dit, eux, ils sont les meilleurs. Sur la politique d'environnement, il faut aller au Canada pour voir un travail sérieux sur l'environnement. Si on demande dans un pays, où est le pays du monde où il y a la plus de justice pour les autochtones, on dit, c'est le Canada. Ou si on demande, quel est le pays qui nous donne le meilleur exemple de leadership mondial sur le sida? Et on dit le Canada. C'est ça qu'ils attendent de nos leaders maintenant. Quelqu'un qui pense que le Canada peut être un leader mondial, à l'échelle mondiale. Toutes les institutions du Canada doivent être à la hauteur des défis mondiaux. Et c'est ça que j'entends de la jeunesse canadienne et je suis prêt à répondre.